Hey, salut les amis! Salut les camarades! Bon, me revoilà de nouveau à Oulin avec cette fois-ci Jean-Michel. Donc on va tout simplement aujourd'hui faire la piste 5 que j'ai fait la dernière fois avec Fanny. Mais cette fois-ci, ça sera avec votre grand ami que vous aimez tant, Jean-Michel. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la piste en elle-même et on verra ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure! Voilà les amis, on est sur le chemin qui mène à la maison forestière. Alors, c'est pas évident. Je pensais que ça serait encore plus sec que ça, mais comme vous le voyez, c'est encore bien humide. Donc, ça va, Jean-Michel dit qu'il y arrive. Contrairement à moi aujourd'hui qui galère un peu, mais bon, c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Faut pas mentir, je suis sorti du boulot, j'étais directement chez Jean-Michel et on est venu rouler, donc la fatigue elle est là. Donc, je m'en excuse d'avance si je râle un peu. Ça risque de s'entendre, mais c'est pas grave. On fera avec. Il y a des jours, la fatigue est là aussi. Mais comme vous le voyez, Jean-Michel se débrouille très bien. Franchement, parfait. Allez les amis, nous on fait une petite pause et on se retrouve plus loin. Alors les amis, on continue le parcours tout doucement. Là, vous connaissez peut-être par rapport à une de mes vidéos, vous voyez en face de moi l'antenne de Bouvigny. Hein. C'est toujours le même parcours en total. Mais... voilà quoi. On va rejoindre le petit chemin en terre où il y avait même le champ qui avait été labouré. Je disais ça a bien changé ici. On va le rejoindre tout simplement. On va continuer. Pour l'instant tout se passe bien avec Jean-Michel, il arrive à suivre. Même les chemins un peu techniques, ça passe sans problème. Aujourd'hui, j'oserais dire c'est moi qui ai un peu de mal. Mais bon, il y a des moments comme ça, c'est pas grave. Faire avec. Donc voilà un peu. Ouais, il y a un léger vent, bon bien sûr vous à la GoPro vous l'entendez pas, mais je peux vous dire que ça souffle pas mal. Mais c'est sympa. Comme vous le voyez, il y a des promeneurs. Hein. Il y a beaucoup d'amis à Jean-Michel, c'est-à-dire les chiens. Hein. On voit beaucoup de chiens aujourd'hui. Mais bon, ça va aller. Allez, on se retrouve plus loin les amis. Oui, on se retrouve sur le même chemin que la dernière fois, tout simplement, on est sur la même piste, hein, donc on emprunte le même itinéraire, c'est logique. C'est le fameux chemin que je disais, il roule bien, mais il est quand même technique, ça tabasse. Donc voilà un peu. Bon Jean-Michel, franchement, pas de soucis, hein. Ça passe facile. On va voir à partir de là, toujours tout droit. Hein. Mais franchement, pour lui, c'est rien du tout. Ah, ça sent bon. Hein. Ça tape, hein. Ah, ça paraît pas, mais... puis comme tu vois, le terrain il est pas droit, il est un peu en biseau. Donc c'est traître. Bon alors je vous filme la partie là, la dernière fois je ne l'ai pas filmé, mais là je suis avec Jean-Michel, donc c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il roule un petit peu plus vite, donc je me permets de la filmer, ça sera plus simple, mais voilà, donc c'est parti, c'est une partie un peu en single, ça descend légèrement, mais il faut faire attention par rapport aux arbres tombés, donc voilà, un peu plus loin, soit à droite, soit à gauche, l'autre jour on est passé à gauche. C'est toi qui choisis, si ça passe. Hop. Oh bah là, t'as pas le choix. Là, va à gauche. Voilà. Hop là. Voilà un petit peu, les amis. Bon, on se retrouve plus loin pour la grosse descente que j'avais fait avec de la musique. Regardez, Jean-Michel, il est heureux. Allez, j'y vais tout à l'heure. Bon courage. Salut. Ouais. Ouais, il est là le tronc d'arbre. Wouh ! Excellent !
putain, la pierre. C'est ça. Eh tiens bon, ça va aller. On est arrivé au niveau de la plaine. Allez, avec un petit effort à faire. Jean-Michel, il est cuit là, ça y est, je l'ai tué. La dernière. Non, à gauche. C'est plus simple à gauche. Voilà, on a fini le parcours. Alors, mais 15 km, t'en penses quoi? Usant, hein, ça va. Il me disait au début du parcours que 15 km. Ouais. J'ai mal aux jambes. voilà ce qu'il va dire Jean-Michel, j'ai mal aux jambes. Voilà, c'est un parcours qui est très varié, donc c'est très on va dire tout simplement. Mais franchement, il est trop plaisant. Il y a de la descente, il y a toutes sortes de terrains, c'est merveilleux. Mais vous voyez, il est corps sur son vélo, il pédale, il n'y a pas de souci. Il y va jusqu'au bout. Bon allez, on se rejoint plus loin. Hey, les amis, vous savez quoi? Le vélo, il est comme le bonhomme, il est crevé. J'ai fait une crevaison lente à l'arrière. Bon, comme je vous l'ai expliqué, je suis repassé en chambre à air. Hein. Donc voilà. Donc mon ami Jean-Michel va me prêter la pompe et puis bah, on va faire pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Et quand il y a plus. Mais je pompe, il pompe, mais je vois que ça va commencer à sortir. À gauche. Yes, excellent. On est ici. Partir de là, tu peux accélérer. Tu peux accélérer à partir de là. Vas-y, à fond. Bah voilà les amis, on vient de terminer la rando à Olin, tout simplement. On vient de se taper la grande descente en macadam qui mène au parking. Vitesse de pointe 53,6 km/h. Bon, pour ma part, je pense que Jean-Michel a été nettement plus vite que moi, parce que comme vous le voyez sur la vidéo, il est bien devant. Donc voilà un peu, et franchement ça s'est super bien passé.
Bon, veuillez excuser un peu Jean-Michel parce que là, il est un peu dérangé par certaines choses devant nous, on va dire, tout simplement. Donc, c'est possible qu'ils soient un peu ailleurs. Je peux rien dire. Je peux rien dire, mais bon, je dirais, n'oublie pas qu'il y a certaines personnes qui vont voir la vidéo, donc fais attention à toi. Voilà, Isabelle, hein, je pense que tu as regardé la vidéo, tu m'as compris. Je pense que là, ça va pas te plaire. Donc, tant pis pour toi. Donc voilà un peu les amis, franchement super petite rando, on a fait 14 km exactement. J'ai bien arrêté Strava sur le parking cette fois-ci, pas comme la dernière fois. Parce que l'autre jour j'enregistrais avec Fanny 17 km, mais en fait je l'ai arrêté sur la route, donc ça comptait pas, on va dire tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter hein, comme d'habitude. Et puis sur ce, bah, à très bientôt les amis, allez, salut. Voilà les amis, on est sur le fameux chemin qui mène à la maison forestière. Alors comme je le disais à Jean-Michel, là il faut... Eh putain. Là il faut... Ah, puis merde, là, voilà.